Comment, qu'est-ce qu'on doit demander lorsqu'on est en danger? Des chavadas. Allons-y. Rabbi Yishai Omer, Amalek Bemakom Sakana, Mitpalel Tefila Ketsara, Vomer, Osha Hashem, Et Amecha, Et Shérit Israël. Ce qui veut dire. Donc Rabbi Yishai nous enseigne. Celui qui marche dans un endroit dangereux, donc il ne peut pas s'attarder et lire tout le chemin d'Aesré de peur qu'il y ait des brigands qui lui coupent la tête ou bien des lions qui le dévorent, etc. Alors il y a une formule raccourcie. Au lieu de dire tout le chemin d'Aesré brachot, il dit une seule phrase. Osha Hashem, délivre Dieu, et Armecha, ton peuple. Et Tchéhérit Israël, les restes d'Israël. C'est ce qui reste vivant de toute la nation. Alors, a priori, on ne comprend pas exactement quel rapport y a-t-il avec ma situation. Si moi je suis en danger, eh ben, je devrais a priori demander à Dieu de venir à mon secours, et non pas de venir au secours du peuple d'Israël. Et donc, si vous vous rappelez la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plus exactement, on avait étudié concernant Rabbi Akiva, que lorsqu'il priait tout seul, alors on le laissait dans un endroit de la pièce, on le trouvait de l'autre côté tellement ils sont prosternés. Et par contre, lorsqu'il priait en tibour, en public, eh bien, il raccourcissait sa prière. Alors on ne peut penser qu'il perd au change en étant en tibour parce qu'il ne peut pas tellement se concentrer à tel point finalement de sautiller sur place tellement il était enthousiasmé de la grandeur de Dieu. Et conclusion, au contraire. Le fait d'être mêlé au tibour, c'est ça l'élévation spirituelle la plus grande, même que tu as comme l'impression qu'au niveau individuel, tu en perds en route. Mais c'est une illusion optique. La sainteté se trouve essentiellement dans le tibour. Donc lorsque tu es totalement mêlé et trempé dans le tibour, eh ben, tu en ressors le plus gagnant possible. Alors, dans la continuité de cela, le Rav Souda mis cette piska ici. Regardez, il va expliquer. Rav Kook. Mitoch ma shel shlimut itkablut atefila. Berum ha'erech shel shituf nafsho behadi tzibura. Ra'u lishatef kefi yecholet gam betechut matzavo shiyashve leklal atzibur. Alken biyoto mekom sakana maskir ki shiyarit yisrael bichlal tzrichim litshuvat Hashem kazot. שהם גם כן במקום סכנה. כבשה אחת בין 70 זאבים, ובישועת הכלל, יבשה הפרט גם כן. טוב, on reprend toujours les axiomes de base, qui est de dire que lorsqu'on prie, en fait, c'est parce que Dieu veut qu'on arrive à un certain objectif, et pour qu'on puisse y arriver, il nous donne un catalyseur qui nous amène à prier, et lorsqu'on a... On arrive à cet objectif, plus besoin de ce catalyseur, c'est-à-dire de ce manque qu'il a créé, qui nous a mené à prier. Alors, il dit comme ça, « Mitor ma shel shlimut itkablut atfila » pour que la prière soit exaucée de manière parfaite. « Berum erer shel shituf nafsho badi tzibura » fondée sur la valeur suprême de se mêler au tzibur. Ça veut dire, la sainteté la plus haute, et lorsque tu arrives à avoir une véritable conscience que ton existence n'est que le dévoilement de l'existence collective du clan d'Israël. Et donc, lorsque je sors de cette illusion de croire que j'ai une entité individuelle et que je baigne totalement dans la collectivité, c'est là que je m'élève à la sainteté la plus haute. Alors, profite de l'occasion. Si déjà maintenant tu es en galère, tu ressens la mort devant les yeux parce qu'il y a des brigands, il y a des lions, etc., etc. Alors de manière associative, il était plus facile de comprendre maintenant la souffrance de Klal Israël, qui voilà déjà 2000 ans, sont exilés comme une petite brebis entourée de 70 loups. Et parfois, malheureusement, dans ta vie quotidienne, dans ton confort, tu tends à oublier cette situation catastrophique du peuple d'Israël. Alors si déjà Dieu a fait en sorte de te rentrer dans cette situation complexe où tu vois vraiment la mort en face de tes yeux, tu as plus de facilité à avoir une compassion pour la souffrance du peuple. Et avoir une compassion pour la souffrance du peuple,
c'est une élévation spirituelle très très haute. Et si tu arrives à cette élévation spirituelle très très haute, eh bien, sans aucun doute que ta prière sera exaucée, puisque tout le rôle du manque que Dieu crée, c'est pour t'amener à t'élever. Donc si tu t'élèves, plus besoin de ce manque, et donc tu en seras sauvé de cette situation complexe. Regardez dans le texte. « Mitor machele shilmut et kabloot atfila » C'est-à-dire nous basant sur le fait que pour que la prière soit exaucée de manière parfaite. « Beru ma'er er shalchituf nasho ba'edi tibura » Fondé sur la valeur intrinsèque la plus suprême qui est de se mêler totalement dans le tibur. « Azraoui le shatef kefi echolet gam et echout matzavo shi echve le klan tibur » La qualité de ta situation actuelle, voilà, tu es dans la forêt, il y a des lions, il y a des brigands, etc. Donc là, tu ressens très très fortement sur toi le danger imminent. Alors, c'était plus facile de ressentir le danger imminent de la nation qui est toujours sous la bonne volonté de ces goïms qui sont des criminels et qui nous cherchent noises et qui ont une haine instinctive envers nous. Alken, Bioto, même comme Sakana. Dafka, quand tu te trouves dans une situation de danger, maskir ki shirit Israël bichlal tzrichim lishuat Hashem kazot. C'est le moment de rappeler, entre guillemets, à Dieu, en fait, plus exactement, me rappeler à moi, rafraîchir ma mémoire, que tout le peuple d'Israël, de manière générale, a besoin d'être sauvé par Dieu. Shu gam ken mimkom sakana, qui lui aussi se trouve dans une situation de danger, voilà déjà 2000 ans. Kifsa achat ben shivim zevim, une petite brebis, un petit mouton, entouré de 70 lions. Ou bichot à klal, il va chapat gemken, et alors si le klal sera sauvé, maintenant aussi avec, tu seras sauvé. Si tu as pris pour le klal, tu t'es élevé à la compassion de la souffrance du klal, donc tu as un niveau assez haut pour que la bracha de Kadoshbaroukh puisse t'atteindre et venir te sauver. C'est clair? Il y a des questions? Top. Vous êtes muets, ça veut dire que vous avez tout compris. On continue. Tanou Rabbanan. Alors, remarquez dans la Gemara, on va lire toute la Gemara, après on va reprendre sur le Rav Kook qui écrit. Regardez. En omdim litpalel, lo mitoch hatzvut, ve lo mitoch hatzlut. Lorsqu'on vient à prier, eh bien, il faut venir prier dans une disposition morale et mentale adéquate. Donc, on fait la négation des situations non adéquates. Il ne faut pas venir prier dans une situation de tristesse, ni encore dans une situation de fainéantise, velomitor srok, ni encore dans une situation de rire, c'est-à-dire de rigolade banale, velomitor sicha, ni encore de discussion, c'est-à-dire je suis en pleine discussion, et tout d'un coup, achre je vais techa. Non, non, laisse un espace entre les deux. Velomitor kaloutrosh, évidemment, pas par une légèreté d'esprit, velomitor dvarim betalim, ni encore par des discussions vaines. Discussion vaine, c'est pas du lashon hara, c'est stam, des choses qui n'ont aucun sens. Velo mitor simchash ela mitor simchash mitzvah. Mais plutôt, venir fonder sur une joie de la mitzvah. Donc, tout ça nécessite une explication profonde, c'est ce que le rabbin va faire. Donc on reprend. Donc paragraphe Yud, à la ligne 45. Tanu rabbanan, en odim nitpalel lo mitor hatzvut et lo mitor hatzlut. Donc on n'est pas censé venir prier, ni partant d'une tristesse, ni d'une fainéantise. A tefila, tirachetif al alkochot an nefesh, la sok be muskalot teorot, valkochot agouf, la sok be maasim tovim. C'est-à-dire, on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, dans la Torah, on rencontre les idéaux divins, on les apprend, on les intègre, mais en fin de compte, nous ne sommes pas une mémoire dans l'ordinateur pour retenir des connaissances. La Torah, on l'apprend pour élever le monde à la hauteur de la Torah. Comme Dieu lui-même regardait la Torah et construisait le monde. Et bien nous aussi, on étudie la Torah et on parfait la construction du monde. Donc, lorsqu'on étudie la Torah, on rencontre, une première rencontre, les idéaux divins. Maintenant, on veut nous amener à agir dans ce sens. Donc on prie pour nous enthousiasmer au niveau du sentiment, et ceci est susceptible de déclencher notre volonté,
et de nous amener à une capacité d'agir pour faire avancer ces idéaux. Donc, à tefila, la prière, le rôle de la prière, en fin de compte, c'est d'avoir une action sur les forces de notre personnalité. Alors, d'abord, la sokma muskalot teorot, c'est-à-dire la capacité de percevoir les conceptions les plus pures et de s'en enthousiasmer. Ça, c'est un. Deux, alkohot aguf, sur les forces du corps. Parce que, à quoi bon comprendre et s'enthousiasmer si finalement j'ai les bras et les mains paralysés et je ne vais rien faire. Donc, il faut que les bras et tout mon corps soient fonctionnels. Donc, alkohot aguf, la sokma simtovim, pour pouvoir agir dans la réalisation des bonnes actions qui sont en coordination, en corrélation avec ces idéaux. C'est la raison pour laquelle il faut bien aiguiller, on va dire, mettre à point nos forces aussi bien mentales que nos forces corporelles. De manière qu'ils sont aptes à être influencés de la prière, c'est-à-dire de m'amener finalement à agir dans le sens de ce qu'il y a dit dans la prière. Donc, tzach limnoa et ha'atzvut. Donc, à tout prix, il faut d'abord et avant tout s'écarter de la tristesse. Shelo tirbad al kochot ha'nefesh, mitromem la sagot teorot ou bihirot, pour ne pas que ceci alourdisse ma capacité de perception des idéaux les plus purs et les plus clairs. Parce que la ha'atzvut, il faut savoir que c'est la chose la pire qui puisse exister dans ce monde. Il n'y a aucun élément positif dans la tristesse. Dans tous les autres traits de caractère qui sont négatifs, dans leur racine première, ils étaient positifs. Ils ont mal tourné. Comme par exemple, on va prendre l'exemple typique, le trait de caractère le plus négatif qu'on connaisse, l'orgueil. L'orgueil, celui qui est orgueilleux est détesté de Dieu. C'est comme si, la Gemara a dit, c'est comme si, avec ses épaules, il repoussait les pieds de Dieu tellement il est gonflé. L'image est que Dieu est assis dans le ciel et ses pieds sont posés sur la terre, c'est son tabouret. Et voilà que celui-là, il lève ses épaules, il gonfle son ego, il repousse la Shrina au ciel. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas vivre. « En avivou yichonim adour beotomakom » dit la Gemara. Moi et lui, nous ne pouvons pas vivre dans le même monde. Donc la gava, l'orgueil, est quelque chose d'insupportable, de puant et de détestable. Mais, à son origine, de quoi ça provient? De quelque chose de très positif. Comme il est dit, « Hashem malach geout lavesh ». Donc on ne peut pas trouver de Dieu quelque chose de négatif. Dieu règne habillé de fierté. Ça veut dire de magnificence, de grandeur, sans l'aspect négatif d'oppression des autres. Donc nous aussi, on doit être à l'image de Dieu dans ce trait de caractère de Geout. On doit être empli de grandeur, de magnificence, de conscience de notre supériorité et de la sorte même de notre responsabilité envers le monde entier. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné cette tendance de vouloir appartenir à la grandeur. Ouais, ben la grandeur, dans le bon sens du terme, appartenir à la grandeur de Dieu et donc être associé à Dieu à l'avancement du monde. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de cette tendance? Ben, tu la rapetissis à des choses idiotes. Tu es gonflé du fait, je sais pas, que tu as des cheveux blonds, tu as des yeux bleus, ou bien tu as une belle voiture, ou bien tu as beaucoup d'argent. Ce sont des choses totalement idiotes. Ça veut dire une tendance qui à son origine était très très pure et très haute et très sainte et qui était censée t'amener à une responsabilité envers les autres créatures pour les élever aussi à la connaissance de Dieu, tu l'as profanée en l'adaptant à des choses petites et minables et qui n'ont aucun sens. Et ainsi de suite, toutes les forces qu'on a en nous, à leur origine, elles étaient saintes et pures. Lorsqu'elles ont mal tourné, elles deviennent impures. Même l'attirance sexuelle, ben elle est là pour la continuité de l'histoire, la continuité du peuple d'Israël, son appartenance à l'éternité. Ouais, mais des fois, ça tourne mal et ça arrive à la prostitution, ça arrive à l'homosexualité, ça arrive à toutes sortes de saletés sexuelles
C'est-à-dire, à son origine, c'était quelque chose de très saint et très kadosh. C'est-à-dire que ça s'appelle Od Brit Kodesh. Et voilà que finalement, maintenant, ça patauge dans la boue, dans la saleté, la pire. Alors, on aurait pu penser qu'il en est de même concernant la Hatzvout, la tristesse. Peut-être la tristesse aussi, à son origine, était à un point très élevé et très pur et très saint, mais qui a mal tourné. Eh bien non, dit le Zohar, Kena de Messaravuta. La tristesse est le nid de l'impureté. Il n'y a rien de bon. C'est la mort. C'est quoi la tristesse en fait? C'est lever les bras et désespérer. C'est se laisser mourir. D'où ça provient? Selon Freud, il y a une tendance un petit peu suicidaire chez l'homme. Masochiste. Des fois, il aime bien se laisser mourir. Bon, il faut se renforcer contre ces tendances ignobles. Alors j'ai des problèmes. Au lieu de me muser aux problèmes et de combattre, je lève les bras et je me laisse sombrer dans les sables mouvants du désespoir. C'est la mort. Quand est-ce qu'elle a apparu la première fois dans Batanar, la Tzfout? Je sais pas. Cherche dans Google. Je sais pas. Je sais même pas si ça s'est apparu Bichlal. Il faut chercher. Maintenant, il faut faire attention aux mots, parce que parfois on se sert du mot Hatzvut, mais pas pour la tristesse, mais pour la douleur. La douleur est totalement légitime. Nous ne sommes pas des fakirs, et bien si on te pique avec un clou, ça fait mal. Et si, je sais pas, tu as reçu une mauvaise nouvelle, ça fait mal, etc. Et c'est légitime. Qu'est-ce qui n'est pas légitime? C'est lorsque la douleur, qui est toujours ponctuelle, elle se propage dans toute la personnalité. Et elle devient l'essentiel de la personnalité. C'est un coup d'état. Ça veut dire, ça arrive très souvent, c'est des petits-enfants, mais malheureusement, il y a des petits-enfants de 70 ans aussi. Un petit bébé qui s'amuse avec des aiguilles, il se pique le doigt, il y a une goutte de sang qui sort, il commence à pleurer dans le désespoir total, il est persuadé qu'il est mort déjà. Parce qu'il a vu une goutte de sang, il est tout, toute sa personnalité devient une goutte de sang. Il sombre dans la douleur ponctuelle. Vous voyez des gens qui ont peut-être 70 ans, 50 ou 40, ils réagissent exactement de la même manière. Il y a un souci. Quel est le souci? Eh bien, j'ai une dette de 100 000 dollars. Et je ne sais pas comment la rendre. Alors comme je ne sais pas comment la rendre, toute ma vie, c'est cette dette de 100 000 dollars. J'ai oublié que j'ai une gentille femme, j'ai oublié que j'ai des bons enfants, j'ai oublié que j'habite dans l'Eretz Israël, et que j'ai des filles, une très grande famille, très très réussie, et je sombre dans le petit problème. Combien grand soit-il, ce n'est qu'un seul petit problème dans ma vie infinie. Il faut savoir faire la part des choses. C'est une équation à solutionner comme une autre. Quand tu es dans une interro en maths, c'est pas parce que tu ne sais pas solutionner une équation avec trois inconnus que tu te flingues. Et bien ça aussi, c'est un problème à solutionner. Pour l'instant, je n'ai pas la solution. Mettons ça de côté jusqu'à ce que je trouve la solution. Mais je continue de vivre avec joie. Et c'est avec joie seulement que j'ai la possibilité peut-être de solutionner un problème. Par contre, si je sombre dans la tristesse, ceci neutralise toutes mes capacités intellectuelles, toutes mes... ma yuzmot, comme on dit yuzmot en français, mes initiatives, etc., etc. Et ça neutralise toute ma personnalité, donc au contraire, j'aurai aucune chance de solutionner le problème. Et même quand je vais en guerre, je dois aller en guerre en joie. Parce que si je vais en guerre par tristesse, eh ben, l'ennemi va facilement me décimer. Et même quand je vais en guerre contre mes averot, je fais teshuva. Je dois faire ça avec joie. Parce que si un soldat il est triste, eh bien il ne risque pas de la gagner cette guerre. Il faut y aller avec le moral gonflé à bloc pour la gagner la guerre. Que ce soit une guerre militaire contre l'ennemi ou une guerre contre mes aspects faibles et animaux. Eh bien contre eux aussi, je dois lutter avec joie et avec assurance et avec force de caractère. Donc en aucun cas ne laisser pénétrer la tristesse dans notre personnalité. Dès qu'on la voit arriver à l'horizon, on prend une mitraillette, on lui tire dessus à bout portant. Maintenant, l'erreur typique, c'est que lorsque quelqu'un commence à faire teshuva,
Car il prend conscience de ses fautes, et il en est énormément de souffrant du fait qu'il a fauté, puisque là c'est tout à fait légitime. Après, il pense que faire teshuvah, c'est s'accabler de culpabilité. Je suis un salaud, je suis une crapule, je suis sale, je suis le Satan, je suis la concrétisation même du Satan. Il pense que ces pensées-là sont des pensées de teshuvah. En fait, c'est exactement le contraire. C'est une stratégie très très maligne du Satan pour ne pas que tu fasses tes chouvas. Parce que c'est très simple. L'homme a en lui, comme tous les autres êtres, un instinct de conservation qui fait que lorsqu'il perçoit au loin un facteur qui le met en danger, ben, ou il se sauve s'il est faible, ou il attaque s'il est fort. En tout cas, il ne permettra pas à ce facteur de le réduire à zéro. Ni le réduire à 10%, ni le réduire à 50%. Tant que quelqu'un est sain d'esprit, eh ben, il n'a pas envie de mourir. Il n'a pas envie même de mourir à 10% ou à 50%, c'est-à-dire affaiblir ses forces. Mais non, si chaque fois que je pense teshuvah, automatiquement, ça m'amène à une culpabilité, ça m'amène à une faiblesse, ça m'amène à une tristesse, qui ne font que réduire mes forces de vie. Donc, j'identifie la teshuvah avec un facteur qui met en danger ma vie. Donc, l'instinct de conservation qui se trouve en moi, qui a été gravé par Dieu, déclarera la guerre contre la teshuvah. Et je ne ferai jamais teshuvah. Et au contraire, chaque fois qu'une pensée de teshuvah commencera à effleurer ma cervelle, je la repousserai automatiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire teshuvah ? C'est de prendre conscience de la gravité de la faute, et de ne pas prendre ça à la légère. Mais c'est la faute, c'est pas moi. Neshama shenetatabi teorai. L'âme que tu m'as donnée, elle est toute pure, elle est toute sainte. Et cette faute est totalement inadéquate à mon âme, donc je dois la repousser. C'est la faute que je haïs, et pas moi. Donc avec joie, avec assurance totale de la sainteté de mon âme et de ma personnalité, je sors en combat contre la faute et je la repousse de toutes mes mains. Avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de talent et de tact, comment faire pour haïr la faute, regretter fortement la faute et construire une stratégie pour ne plus tomber dans la faute. Mais la faute, ce n'est pas moi. Celui qui ne sait pas faire ça, il tombe dans le piège. Il est persuadé qu'il a des pensées de teshuvah. En fait, il est en train de s'enfoncer dans la mort. Il y a tout un périple dans le Teshuvah qui traite de ça, de la Hatzvut, tellement dangereuse, et qui empêche la Teshuvah. Qui ose Vechedva Miokomo. Au contraire, on sert Dieu avec puissance et avec joie. Donc, on vient de comprendre donc, que la Hatzvut, la tristesse, est quelque chose qui casse les forces de vie, qui casse les initiatives. Bon, alors tu as l'air un petit peu drôle. Tu pries, a priori, pour réaliser des projets divins. Et pour ce faire, il faut énormément de force de vie, d'initiative, de motivation, etc. Mais si tu viens déjà d'emblée avec une tristesse, ça veut dire avec une mort, avec une cassure de toutes tes forces, à quoi bon prier ? De toute façon, tu ne pourras pas le faire. Au niveau psychologique, tu es cassé. Ça, c'est un. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas prier dans un état d'esprit de tristesse. Va t'organiser avant de retrouver ta joie de vivre, avant de commencer à prier. Atzarich limno et atzvut shelo tachbid al kochot hanefesh. Pour ne pas que ceci alourdisse les forces de vie, mais trop même la sagot teorot ou bihirot qui t'empêcherait de t'élever aux perceptions les plus hautes et les plus claires. Et il faut aussi s'écarter de la atzlut. Atzlut, c'est la fainéantise. J'ai pas la force, comme ils disent les gosses, Enlikoar. J'ai pas la force, j'ai pas envie, je suis fatigué. Bon, c'était fatigué, alors pourquoi tu pries? On avait appris la semaine dernière, c'est la raison pour laquelle il est interdit de rester assis à côté de quelqu'un qui prie. Tu te tiens debout, c'est une position qui montre que tu es prêt à agir. Mais si tu viens d'emblée déjà fatigué, fatigué mental, fatigué physique, donc tu risques pas d'agir. Donc à quoi elle sert ta fille là?
toute la tefila, c'est pour t'amener finalement à déclencher ton sentiment, pour déclencher ta volonté, pour déclencher ta capacité et pour agir. Mais si tu viens déjà avec les bras cassés et les pieds cassés, donc elle ne sert à rien ta prière. Donc organise-toi avant d'arriver en bonne forme à la prière. Chez l'Otakev et Kochotagouf, donc il ne faut pas venir avec fainéantise pour ne pas empêcher les forces du corps, mais il trazek les maasim tovim pour se renforcer à faire des bons actes. Très souvent, ça nécessite énormément de renforcement parce que la route, elle est très souvent barrée par des salauds, par des cruels, qui n'ont pas tellement envie que les idéaux divins soient réalisés dans ce monde. Si par exemple, toi, tu veux lutter pour la justice, il y a pas mal de personnes dans ce monde qui se nourrissent d'injustice. Il y en a qui vendent de la drogue, il y en a qui sont à la tête de tout le système de prostitution, il y a des voleurs, il y a des brigands, qui tout leur parnassa vient de l'injustice. Et donc, dès que tu vas déclarer que tu veux lutter pour la justice, eh bien, ils te feront la peau. Et si tu es un peureux, eh bien, tu vas vite reculer. Donc très souvent, il faut énormément de courage, il faut se renforcer, il faut être déterminé. Et c'est le rôle de la prière de t'amener finalement à réussir à réaliser les projets divins. Donc, fais-moi plaisir, ne viens ni avec tristesse, ni avec fainéantise, viens en toute forme, en toute joie de cœur et en bonne forme corporelle. Vas-y, Mouchan, les Tosef et Tachemout. Ce n'est qu'alors qu'il sera prêt à ce rajout de perfection, à Mitorer et Talav, qui va s'éveiller en lui, à l'aider à Tefila, grâce à la Tefila. Donc là, on a expliqué le début de la phrase de Chazal. Enondim Nitpanel, Lomito Hatzout, Velomito Hatzlout. La suite de la phrase de Chazal. Velomito Srok. Srok, c'est le rire. Bon, on peut dire, il n'y a rien de mal de se marrer de temps à autre. Pour raconter une petite blague belge, qu'est-ce que vous avez contre le rire? Velomitor sicha, ni non plus, partant d'une discussion. Velomitor kalout roche, légèreté d'esprit. Velomitor dvarim betelim, et encore moins, partant de discussion vide. Donc, on va voir ce que tout cela veut dire. Les shlemut atfila, pour que ta prière soit parfaite. Il faut qu'il y ait en toi d'abord quatre compréhensions. Aïchad, le premier, Tziur Amshachat Yirat Hashem ou Efer Hasrok. D'abord et avant tout, tu dois être empli de crainte de Dieu. Tu dois savoir, avant de commencer à prier, c'est pour ça que tu recules en arrière, la révérence devant le roi, Melech Malchim, Malchim, Akadosh Baruch Hu, empli de crainte de Dieu, de crainte de la grandeur de Dieu, etc. Et il n'y a pas quelque chose qui est si antagonisme à la crainte de Dieu que le rire. Le rire, on parle de quelqu'un qui ricane, plus exactement. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait un petit sourire parce qu'il a écrit, il a écouté quelque chose de brillant. Ça, il n'y a rien de mal. Mais ricaner, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démagogie. Le Rambam, il appelle ça Magen Mashuar Shemen. Ça veut dire un bouclier bien huilé. Et donc toutes les flèches qu'on tirerait dessus, loup, elles glissent, elles ne le pénètrent pas. De quoi s'agit-il? Il y a des gens qui sont experts en la matière. Très souvent les politiciens. Pour ne pas dire toujours. Ils donnent une conférence et voilà qu'un journaliste lui pose une question pertinente qui remet en cause tout son comportement et sa façon d'agir. Donc il voit qu'il est vraiment mal au point. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance une blague qui ridiculise celui qui a posé la question. Tout le monde éclate de rire et c'est comme ça qu'on fait passer la critique. Au lieu de se mesurer véritablement au problème, on esquive, on rigole, on fait en sorte que tout le monde rigole de lui et comme ça la question ne revient plus. Et on part des véritables critiques. Il y a des gens qui ont un caractère pourri, constant, qui est forgé de cette manière. Qui ne sont pas capables de prendre au sérieux les réflexions qu'on leur fait. Ou qu'eux-mêmes devraient se faire d'ailleurs. Ils sont toujours en train de parer.
et l'outil, c'est le sroc. Donc, c'est pas adéquat du tout la prière avec le sroc. La prière, c'est quelque chose de sérieux. C'est d'être quelqu'un de sérieux. C'est de croire en Dieu, de croire aux idéaux divins, de se mobiliser, de s'engager pour les idéaux divins. Et non pas à chercher toujours à te justifier. Donc, toute ta prière ne sert pas à grand-chose. Si tu as une armure d'auto-justification constante, à l'aide de la démagogie, à l'aide de ricaner des valeurs, de ricaner des idéaux. Donc ce n'est pas une position mentale, psychologique, adéquate à la prière, c'est exactement l'antagonisme. D'ailleurs, sachez, il y en a plein qui pensent que le sroc, que le rire, a un rapport avec le bonheur. Ça n'a aucun rapport. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur le rire, c'est André Bergson. Il explique en fait que c'est une réaction nerveuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui vient repousser. D'ailleurs, les clowns, ils savent ça parfaitement. Et lorsqu'ils préparent leur coup, ils travaillent sur ça. Je vois un exemple. Tu vas au cirque, le clown, par mégarde, il met le pied sur une planche, qui fait sauter une autre truc, et finalement, il y a une tarte à la crème qui lui arrive sur le visage, et tout le monde éclate de rire. Mais qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Qu'est-ce qu'il y a d'heureux dans cet événement? Ce pauvre bonhomme, là, maintenant, il en souffre énormément. Ouais, mais qu'est-ce que tu viens de voir? Tu viens de voir un mécanisme qui rentre l'homme dans une situation dans laquelle il n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il lui arrive toutes sortes d'événements qu'il n'a pas décidé, qui lui arrivent. L'homme, dans son essence même, à la différence des autres êtres, est un homme libre. Il a le libre choix. Donc lorsque tu es présent devant un tel événement, où tu vois un homme qui rentre dans un enclenchement d'événements dans lequel il n'est pas libre, alors tu repousses ça. Et comment tu repousses? Par le rire. Le rire est une réaction nerveuse, automatique, qui en fait vient repousser cette non-liberté. Je te donne un exemple plus simple qui va être beaucoup plus compréhensible. Tu peux être dans le bus, assis, bien assis, confortablement, et tu vois un soldat qui sort le vendredi de sa base pour aller chez sa famille. Bon, il a un sac énorme sur le dos qui pèse 50 kilos, il a sa mitraillette, il a son chapeau, il a encore un autre sac, et plein d'affaires sur lui. Il a une tonne sur lui, le pauvre gosse. Il a 18 ans, ça raconte. Il commence à grimper sur le bus, et justement à ce moment-là, le chauffeur démarre, il perd l'équilibre, il se casse la figure, et ses lunettes sautent, et sa mitraillette, et son truc. C'est un événement vraiment très triste et douloureux. Mais tu rigoles quand même. C'est-à-dire, tu vas l'aider et tu mets ta main sur la bouche. Parce qu'il arrive quelque chose de bizarre à ce bonhomme. Et des fois, il peut arriver toutes sortes de choses qui paraissent drôles. Tout d'un coup, je ne sais pas, il se ramasse une tarte dans la figure, etc. Et tu éclates de rire. Mais il n'y a pas de quoi rire, c'est triste. Nakhon, c'est très triste et c'est très douloureux. Et j'ai une compassion profonde à sa douleur. Et donc, j'accours à son secours. Mais malgré tout, j'éclate de rire, je mets la main sur la bouche. Ce qui prouve bien que le rire n'est pas une réaction volontaire. C'est une réaction nerveuse face à une situation d'enclenchement, de processus qui est totalement contraire à la liberté de l'homme. Mais non, les clowns, ils savent ça parfaitement. Donc quand ils préparent leur coup pour faire rire le public, ben ils préparent tout un déclenchement de processus qui font que le public éclate de rire. D'ailleurs, les gens qui vont perdre leur soirée dans de tels événements où il y a un clown qui les fait rire, ils arrivent à la maison avec une tristesse profonde et une fatigue. Tous les muscles zygomatiques qui ont été excités pendant des heures, ils arrivent à une sensation de vide totale. Ça n'a aucun rapport avec le bonheur. Le bonheur arrive chez l'homme lorsqu'il a une satisfaction d'avoir accompli. Il avait un manque qui l'a rempli, ça l'emplit de bonheur. Par exemple, un petit enfant qui espère énormément avoir une bicyclette, et son père lui promet depuis 3 mois sa bicyclette, il s'est bien comporté, il apporte sa bicyclette, tout d'un coup il se sent empli de ce manque, et il fait la bracha de Shekhianou. La bracha de Shekhianou vient suite à une joie. Et la joie, c'est en complétant un manque.
Donc, le plus grand des manques pour l'âme est de faire le bien. L'âme ne se sent satisfaite que lorsqu'elle procure du bien aux autres. À l'image de Dieu qui est Tov Adonai Lakol Valachama Valkol Maasav. Dieu est bon pour tous et sa miséricorde est envers toutes les créatures. L'âme étant le dévoilement de Dieu, et c'est ça l'essentiel de ta personnalité, lorsque tu es amené à procurer du bien aux autres, eh ben ton âme est en expression totale. Elle comble le manque qu'elle avait. Et ceci te procure un bonheur intense. Donc la formule pour être heureux constamment, c'est très simple. C'est de faire du chesed. Les gens disent, ben mince, au lieu de m'occuper de moi-même, je m'occupe des autres. Il vaut mieux que je me soucie de moi. Non, 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 c'est pas ça qui va t'amener un bonheur. Soucie-toi des autres. Procure du bien aux autres. Des fois, ça ne coûte pas d'argent, il faut juste faire un sourire, juste réconforter, juste écouter. Et tu vois que tu as procuré du bien, ton âme explose de joie. Alors que quand tu as vu un clown qui se ramassait une tarte sur la figure, tu éclates de rire. Mais ça n'a rien complété, il n'y avait aucun manque de ta personnalité n'a été complété. Donc tu ressens en aucun cas empli de bonheur, mais seulement empli de nerfs excités. Et donc un vide total. Donc tout ça pour dire que le sroc, la ricanerie, est un comportement ignoble, qui est totalement contraire à l'Yirat Hashem, à la crainte de Dieu, c'est-à-dire prendre les choses au sérieux. Quelqu'un doit être rétini. Rétini qu'on traduit aujourd'hui par le mot sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tête d'enterrement, qu'il n'est pas capable d'avoir un visage souriant. Rétini, c'est Mlachon Ratson. C'est quelqu'un qui voit la volonté de Dieu dans tout. Il ne prend rien à la légère. Toute chose est importante. Toute chose nécessite une concentration, une application, une volonté d'améliorer avec sérieux. D'Adam Retzini, qui est exactement le contraire du Letzan, du clown, à Letz. Maintenant, ce pauvre Letzan, qui prend tout à la rigolade, il est vraiment dans une mauvaise situation. Parce que on ne peut pas le réprimander. Donc il va de mal en pire. Tout ce que tu lui dis, il peut toujours trouver une formule démagogique pour ricaner de ce qu'on tient de dire. Et donc il ne risque pas de s'améliorer. La seule solution, c'est de lui envoyer un bon coup de poing dans la figure. Parce que là, il ne peut pas rigoler. Parce que les sens, on ne peut pas les tromper. L'intelligence, on peut la tromper parfois. On peut démontrer par A plus B que c'est bien d'assassiner. Tout est démontrable. Mérov, Hurfa, Shabeshta, dit Razal. Des fois, tu es tellement aiguisé que tu en arrives à des absurdes. Tu peux tout démontrer par une pseudo-démonstration intellectuelle que la pire des cruautés, au contraire, c'est quelque chose de très moral. Tu peux dire que de toute manière, l'humanité va grandissant de jour en jour, il n'y a pas assez de nourriture, on va tous mourir de faim. Donc ça ne ferait pas de mal de diluer un petit peu l'humanité en assassinant, ça et là, quelques millions de temps à autre. Au moins que les 5, 6, 7 milliards qu'on est continuent de vivre, sans qu'on va être 100 milliards et on va tous mourir. Vous voyez, avec des arguments qui paraissent rationnels et logiques, on peut légitimiser le pire des comportements. Donc l'intellectualisme, il n'est pas toujours fiable. Par contre le sens, il est toujours fiable. Jamais ta main se mettra sur le feu et dirait non, c'est pas chaud, c'est froid. Donc dis Shlomo Melech, Nachonu laletzim shotim. Celui qui est letz, celui qui est un ricaneur, un démagogue, son seul remède, c'est le coup de bâton. Dieu lui envoie des souffrances. Et là, il ne peut plus rigoler. C'est la seule chose qui puisse se remettre en place. Toutes les belles paroles, les beaux discours, les remontrances, il se débrouille toujours pour se légitimiser, montrer comment il a raison, etc. Mais quand il se ramasse une tarte qui fait très mal, là, il peut plus se mentir et mentir aux autres. Donc la seule chose qu'on puisse lui faire, c'est donner des coups. Mais évidemment, nous, on n'est pas à ce niveau de donner des coups aux gens. C'est Dieu qui le fait, à moins que parfois, les talmides des Chachamim, les vrais, les grands, les géants, se permettent de blesser par amour.
C'est très très rare. Parce que personne ne se sent à la hauteur de le faire. Bien que c'est marqué dans l'Halakha, qu'un Talmid Chacham a même le droit de frapper ses élèves. Personne ne le fait aujourd'hui, évidemment. À l'époque, c'était à la mode de donner des claques. Même les parents donnaient des claques. Donc les rabbins aussi donnaient des claques. Aujourd'hui, personne ne le fait. Mais a-t-on le droit de parler fortement et durement pour remettre quelqu'un en place, quitte à le blesser et le faire rougir en public? A priori, non. Dit la Torah. Tu peux réprimander ton prochain sans fauter, c'est-à-dire sans le faire rougir. Ça, c'est pour monsieur tout le monde. Mais ton rabbin, il a le droit. Ton rabbin qui est amoureux de toi. Et toi aussi, tu es amoureux de lui. Parce que tu comprends que c'est ta source qui te développe constamment. C'est lui ton véritable père. Plus encore que ton père. Ton père a fait apparaître dans ce monde ta chair et ta personnalité est encore en matière première. Qui c'est qui optimalise tes forces potentielles? C'est le Talmid Chacham qui t'éduque. Donc tu ressens envers lui un amour très très profond. Et d'ailleurs, selon la Halakha, si ton père et ton Rav sont en train de se noyer, tu d'abord et avant tout aller sauver ton Rav. Ton père, que tu dois respecter, que tu aimes, etc., et tu es reconnaissant, tout compte fait, n'a fait que t'amener dans ce monde-ci, alors que ton Rav t'amène dans le monde éternel, te fait adhérer à l'éternité. C'est-à-dire, c'est lui qui a réussi à mettre en œuvre toutes les potentialités de ton âme. Donc lui, il t'a accouché encore plus que ta mère et ton père. Donc quand il y a un tel lien, très très fort, très développé, entre un Rav et son Talmid, le Rav peut se permettre parfois de secouer et de blesser parfois. Comme le Dieu le fait. Nachon ou la Letim Shotim. Quand il voit que parfois, tu vas trop à la dérive et toutes les bonnes paroles n'ont pas aidé, il peut dire des paroles très dures qui te remettent sur le bon chemin. Mais nous, c'est pas pour nous. Sûrement pas avec nos enfants, nos conjoints, etc. C'est pas pour nous. Effacez ça de votre mémoire. On continue. Si déjà j'ai parlé de ça, notre très très grand maître, pour qui ce cours est consacré, Rav Zuckerman, lui se permettait de le faire. Je peux parler de manière, faire un aveu individuel. C'est l'homme qui m'a donné le plus de claques dans ma vie. Et c'est l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie. Continuons. Tzarich Yitzhar. Non, on était à la ligne 52. Où est Ferasrok? C'est-à-dire la crainte de Dieu et l'antagonisme même de la ricanerie. Qui a Srok Memaek et Taïr A. La ricanerie affaiblit la crainte de Dieu. A Filou Iratakavot, il a Srok Atsela Sorek Atsmo. C'est-à-dire non seulement il affaiblit la crainte de l'homme envers Dieu, mais aussi il affaiblit la crainte des gens envers lui. Quand tu vois quelqu'un qui a un clown et qui rigole tout le temps, tu ne le prends plus au sérieux. Tu n'as plus de révérence envers lui. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de rigoler, de ricaner, etc. Les gens normaux ne le prennent plus au sérieux. Il a perdu sa, comment dire ça, son image de marque. On ne le prend plus au sérieux. C'est-à-dire lui-même, Eloir al-Akhirim. Kemamaram, comme on dit Shlomo Meller, Misheraf Sahako mitmaitetir ato. Celui qui rigole énormément, sa crainte s'affaiblit, c'est-à-dire la crainte des gens envers lui. Donc ça, c'est la première négation qu'on doit enlever de notre personnalité en prière, le Srok. Deuxième, on a dit, de l'omitor sikha, discussion. Qu'y a-t-il de mal à discuter? C'est très bien, au contraire, de la discussion jaillit la lumière. Alors pourquoi ne pas discuter avant la prière, qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, la discussion c'est parfait, mais pas avant la prière. Pourquoi pas avoir la prière? C'est-à-dire que tu es en pleine discussion, en polémique avec ton copain, et la prière est à 1h30, jusqu'à 1h29, 59, tu es en train de discuter. Non, 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 non. Arrête-toi, 3-4 minutes avant,
Repose-toi, réfléchis, prépare-toi à discuter avec Dieu. Alors c'est ce qu'il va expliquer, regardez. Asheni tzer shitzer ikar shlemut hanefesh rak be'oshra apenimi. C'est-à-dire avant de rentrer dans la prière, tu dois bien comprendre que ta perfection doit provenir d'abord avant tout de ton bonheur interne. C'est-à-dire la discussion, c'est quoi en fait la discussion? C'est un enrichissement mutuel. C'est-à-dire je discute avec quelqu'un, je m'enrichis de sa connaissance et je l'enrichis de ma connaissance. Donc c'est un enrichissement extérieur à ma personnalité. Alors qu'en fait, au plus profond de ma personnalité, dans mon âme, qui est divine, et bien là-bas, il y a une richesse infinie. Comme Dieu est infini, mon âme aussi est infinie. Donc, avant de prier, tu dois être conscient de la perfection de ton âme et de savoir que son bonheur ne dépend en aucun cas de facteurs extérieurs, mais seulement de ton intériorité. Karatak Voda, en prenant conscience de la grandeur, de la perfection, du fait même qu'elle est en proximité avec Dieu, c'est ça qui lui procure le plus grand des plaisirs. Et elle rayonne par la sagesse de Dieu. L'alken, biot osher anefesh apinimi be'egiona imatzma, lorsque l'âme arrive à ce niveau de s'intérioriser, d'être capable de puiser du plus profond de son âme, toute sa richesse, tout son bonheur. Au moment de la prière, écarte de toi un comportement qui démontre que tu voudrais t'enrichir d'un facteur extérieur, qui est la discussion. La prière, c'est shfichut nefesh. La prière, c'est de se concentrer sur son âme, qui est le prolongement de Dieu. Donc ce n'est pas le moment maintenant de mettre en relief des enrichissements de facteurs extérieurs qui sont les discussions. Concentre-toi sur toi-même. Donc écarte-toi de toute discussion avant la prière. Tu as le droit de parler, je sais pas, disons 5 minutes avant la prière et tout de suite après 5 minutes après la prière, mais pas 2 secondes avant la prière, comme si pour dire je continue sur la même activité d'enrichissement extérieur. Mais la reine imna mekalut chez Zéou Yesod Asicha, qui est le fondement même de la discussion, c'est l'enrichissement de facteurs extérieurs. On discute, les gens, des fois, ils se sentent un petit peu tristounés. On va rencontrer le voisin d'en face, on va discuter avec lui, ça va nous remettre nos esprits en place. Et non pas dans son intériorité. Donc, le troisième facteur qu'on doit écarter, on a dit, c'est quoi kaloutroche? Légèreté d'esprit. Ashishi Tsarishi Eskim. Vous voyez où on en est? Ligne 56. Ashishi Tsarishi Eskim, Likvo Anagato Amaasit. Kefiakara Tati Ura Mushlam Irat Hashem. Quand je prie, à quoi je me prépare? Tout ce que j'ai compris dans la Torah, tout ce que j'ai perçu, je vais être enthousiasmé, ça va déclencher ma volonté et je vais agir. Donc je suis quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui prend les choses pas à la légère, quelqu'un au contraire qui a du plomb dans la tête, que lorsqu'il comprend quelque chose, ben il est déterminé à le faire, et c'est pas quelqu'un qui a des discussions légères juste pour s'amuser, etc. Donc c'est totalement antagonisme de rentrer dans la prière avec une légèreté d'esprit. Non, il faut rentrer dans la prière avec du plomb dans l'esprit, avec un sérieux, de me dire voilà, maintenant je vais rencontrer Dieu, je vais m'enthousiasmer sur les idéaux divins, et donc avec beaucoup de sérieux et de détermination, je vais m'appliquer à les réaliser. Mais si ben je viens, on a passé, je sais pas, 3 heures de raconter des blagues et de rigoler et de rien prendre au sérieux, etc., bon, c'est pas du tout adéquat à la prière. Vous comprenez, il y a une petite ressemblance, mais c'est différent entre le let's et kaloutroche. Tout à l'heure, on a parlé de srok. Srok, c'est quelqu'un qui, de manière constante, il est srok. C'est un letz, c'est un démagogue. C'est quelqu'un qui prend rien au sérieux toute sa vie, c'est un trait de caractère constant. Mais là, on peut avoir affaire à quelqu'un qui, de manière générale, est quelqu'un de sérieux.
qui sait prendre au sérieux les arguments qu'on lui dit, les réprimandes qu'on lui dit, il prend au sérieux les idéaux. Mais là, à ce moment-là, il s'est laissé aller une légèreté d'esprit. Il a pris un coup de whisky, il était adablé des copains, il a bien rigolé, donc il est dans un état d'âme de légèreté d'esprit. Alors on lui dit, regarde, regarde, calme-toi, reprends tes esprits, remets-toi du plomb dans la tête, prends les choses au sérieux, ce n'est qu'alors que tu peux aller prier. Ça c'est très important parce que parfois, des fois, dans des fêtes, dans des mariages, etc., bon, on est autour d'une table, on boit un verre de whisky, on rigole bien, etc. Et des fois, on lance des blagues, on n'est pas très concentré sur le sérieux de la vie, disons. Et tout d'un coup, on sort au micro, on dit « Mincha, war vite !» Et on va vite courir prier. Et tu n'es pas exactement dans une disposition mentale à prier. Reprends tes esprits, remets-toi du plomb dans la tête, sache devant qui tu vas, et à quelle activité tu vas. Et ne rentre pas dans la prière comme ça avec une légèreté d'esprit. C'est ça qui veut dire « velomitor kaloutroche ». « Lachen imna me kaloutroche ». Tu dois t'empêcher totalement de kaloutroche, au moins à l'approche de la prière. Il y a des fois, c'est permis d'être en kaloutroche. C'est pas comme srok. Srok, c'est un trait de caractère pourri. Mais des fois, tu peux te permettre, je sais pas, de rigoler avec ta femme, pour mettre de l'ambiance, etc. C'est bon, ça fait pas de mal. 5-10 minutes. Mais pas juste avant, je sais pas, quelqu'un, il doit faire une activité très précise qui risque de mettre en danger l'humanité entière, et il rigole un petit peu avant. Non, c'est pas le moment de rigoler maintenant. Concentre-toi, c'est au sérieux. Donc à plus forte raison quand tu vas à la rencontre de Dieu. Rigole une heure avant, rigole 3 heures après, mais pas 2 secondes avant la prière. Qui est sot kaluta roche. Quelqu'un qui est kaloutroche, il est capable parfois de se comporter totalement contrairement aux idéaux et aux valeurs auxquelles il croit. Mais il sait très bien, il se laisse aller momentanément, il se permet une certaine déviation, disons. On boit un petit coup de verre de vin, on se laisse aller un petit peu, mais je sais bien que je ne suis pas dans mon état normal. Adalet. Maintenant, le quatrième, Belomitor Dvarim Betelim. C'est quoi Dvarim Betelim? Dvarim Betelim, ce n'est pas du Lachonara. Ce n'est pas de la médisance. Et ce n'est pas non plus de la Rechilut. Lachonara, c'est dire du mal des autres. Rechilut, c'est pas à me raconter. Tu sais, celui-là a acheté une bagnole, et celui-là a acheté une robe, et celui-là a acheté une maison. C'est un colporteur qui fait transporter des informations de l'un à l'autre. Il y a encore pire, ce qui s'appelle Motsi Shemra. De mentir. Et tu sais, celui-là, c'est un salaud, je l'ai vu voler, alors que c'est quelqu'un de très honnête. C'est encore pire que la Shonara. Ça s'appelle Motsi Shemra. La calomnie, non? Ouais, la calomnie. Je crois que c'est ça en français, la calomnie. Parce que la Shonara, très souvent, des gens, on leur dit, on les réprimande, mais tu fais du la Shonara? Mais non, mais c'est vrai! Mais c'est exactement ça, la Shonara. C'est dire quelque chose de vrai. Je l'ai vu voyager en voiture Shabbat. Et il a voyagé, effectivement, en voiture Shabbat. Ça s'appelle du Lashon Hara. Motsi Shemra, c'est de mentir. De dire, je l'ai vu voyager en voiture Shabbat, alors qu'il n'a jamais voyagé en voiture Shabbat. Donc, je ne sais pas c'est quoi en français calomnie, est-ce que c'est mensonger ou véritable. Donc, vous avez compris, c'est l'essentiel. Maintenant, il y a une autre chose qui s'appelle Dvarim Betelim. Des discussions vaines et nulles. C'est quoi? Il fait beau aujourd'hui, hein? Bah, hier, il y avait des nuages. Et paraît-il qu'après-demain, il y aura de la pluie. Toi, il téléphone à son voisin. Ah, vous avez vu, il pleut. Ah, chez vous aussi, il pleut. Ah, bon, il pleut très très fort, hein? Il a neigé. Mais il a oublié que le voisin, il habite à 2 mètres de lui, donc il est sous le même ciel, et il a subi la même pluie et la même neige. Mais juste pour remplir le temps, on parle de sottises qui ne mènent à rien. Ça s'appelle Dvarim Betelim. Qu'y a-t-il de mal? On n'a jamais vu dans la Torah qu'on voie d'un mauvais œil, par exemple, Reiya Betela, une vue vaine. Il n'y a pas le droit de voir des choses interdites, de la nudité d'une femme, etc. Mais aucun problème d'avoir un regard vain, de voir le paysage, de voir le soleil, de voir des fleurs. Il n'y a pas un interdit aussi d'écouter des choses vaines. Des bruits, je sais pas, des rugissements de lions
et du bélier, etc. Ce n'est pas un interdit ilkhatique, c'est un interdit au niveau des midot. Par contre, on voit une approche très sévère dans le livre de morale de Moussar envers Varim Betelim. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, la parole Ruach Memalela, qui vient de Dieu, t'a été donnée essentiellement pour le Ruach HaKodesh. C'est pour ça que Dieu donne la parole. Pour exprimer la volonté de Dieu, pour enthousiasmer les gens à appliquer la volonté de Dieu, c'est un cli, comment dire un cli en français, un instrument qui doit être au service de Dieu et qui peut s'élever à des niveaux très très hauts de prophétie, de roi racontes, etc. Donc, t'en servir à un autre usage, c'est déjà une profanation. Donc, il n'y a que quelques genres de discussions qui sont permises. Arava, Varva, Shalom et Réout, pour renforcer les liens amicaux entre les gens. Donc tu sais, il est un petit peu tristonné, alors tu t'intéresses, tu parles avec lui, etc. Pour lui remonter le moral. C'est quelque chose de positif. Tu as besoin aussi de parler pour gagner ton pain, dans le commerce, etc. Tu as besoin de parler pour enseigner les maths et pour comprendre les maths. C'est pareil. C'est pour développer ce monde. La plus haute discussion, l'étude de la Torah, le Ruach HaKodesh, la Nevoa. En dessous de ça, non. Ne gaspille pas ta salive pour des idioties. Dibour et Dvarim Betelim. Et surtout, ne crois pas que Dvarim Betelim unissent les gens. Non. Seulement la véritable discussion unisse les gens. Tu t'intéresses sérieusement à ces problèmes et tu essaies de les solutionner avec beaucoup d'empathie et de compassion. Ça réunit les gens. Mais de rester l'un côté de l'autre et de parler du coq à l'âne, de parler de toutes sortes de choses juste pour étaler sa confiture ou stamp pour passer le temps parce que là j'attends mon avion et je sais pas quoi faire et je m'ennuie à mourir, alors on va parler, je sais pas, des papillons en Afrique et stamp. C'est pas ça qui va te rapprocher de ce bonhomme. Si déjà, profite, intéresse-toi à lui, à sa vie, à ses problèmes, en quoi tu peux l'aider. Exprime envers lui beaucoup d'empathie et beaucoup d'amour. Alors ta discussion, c'est une mitzvah. Mais de parler pour ne rien dire, c'est une profanation de la capacité de Ruach HaKodesh que Dieu t'a donnée. Donc, de manière générale, c'est quelque chose de non souhaitable, Dvarim Betelim. À plus forte raison, lorsque tu t'apprêtes à prier. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu pries? C'est-à-dire, tu es convaincu à 1 000 000% que ta parole, elle a une force d'agir sur l'existence. Que lorsque je vais dire Baruch Ata Hashem Bone Binyan Yerushalayim, ma parole elle-même va construire Jérusalem. C'est-à-dire, tu as une conscience très très forte que la parole du peuple d'Israël, elle est effective. Elle agit sur l'existence tout comme Dieu. Quand Dieu dit Yehi Or, va Yehi Or. Bidvar Hashem Shamayim Naasu. La parole de Dieu est créatrice. Le peuple d'Israël, Vatem Advikim Bashem Elokechem Chaim Kulechem Ayom, qui est en proximité très très forte de Dieu, acquiert d'une certaine manière les capacités divines créatrices par la parole elle-même. Akol Bechokma Asita. Dieu, il a dit Or, c'est-à-dire il a rapproché les lettres Aleph, Vav, Resh, qui sont les atomes spirituels de l'existence, et c'est comme ça qu'il a créé de la lumière, c'est comme ça qu'il a créé de l'eau. Et bien, le peuple d'Israël aussi a cette capacité, potentiellement parlant, et chaque individu qui s'élève dans la purification de ses traits de caractère, dans l'application des mitzvot, dans la connaissance de la Torah, dans l'élévation de ses idéaux, etc., etc., petit à petit, il met à l'œuvre ce potentiel national du peuple d'Israël qui a cette capacité créatrice par la propre parole. Donc c'est dans une telle ambiance que tu dois venir prier. Ça veut dire d'apprécier la parole à juste valeur. Donc c'est totalement incompatible que 2 secondes avant, tu étais en pleine profanation de la parole, tu t'en es servi pour des idioties sans pareil, et avec la même bouche maintenant tu viens prier. Ça prouve que même ta conviction de ta prière, ça ne vole pas très haut. Si tu penses que la parole, elle est faite pour des idioties, et maintenant avec cette approche de idiotie, tu viens prier, donc
à tes yeux, c'est encore une corvée de récitation machinale de textes que je suis obligé de faire 3 fois par jour. Mais à vrai dire, je n'y crois pas vraiment. Et je crois encore moins que ceci pourrait être créateur et effectif. Donc c'est totalement incompatible. C'est pour ça qu'il dit que l'homme mitor dvarim betelim. En aucun cas ne rentrer dans la prière mitor dvarim betelim. On va essayer de terminer. J'espère que Johan va nous laisser, sinon la prochaine fois on ne va pas comprendre. Et là, mitor simcha shenitzva. Tu dois rentrer dans la tfila avec une joie de simcha, de la mitzvah. Empli de joie que tu vas servir Dieu. La mitzvah. Yotzet gamken la foi l'echut sa nefesh a osé ota. Donc tu fais une mitzvah. Chaque mitzvah met en œuvre une potentialité qui est dans la personnalité. Ça veut dire que si tu ne ressens pas de la joie quand tu fais des mitzvot, ça prouve qu'à tes yeux, les mitzvot ne valent rien. Parce que les choses importantes que tu fais dans ta vie, quand tu es convaincu que c'est des choses importantes, et que tu réussis à les réaliser, ça te procure une joie intense. Et si lorsque tu fais une mitzvah, ça ne te procure pas de mitzvah, de joie, ça prouve tout simplement qu'à tes yeux, la mitzvah n'a aucune importance. Mais tu dis, bon, soyons honnêtes, à mes yeux, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas sauté à faire soi-disant de rigoler, et d'être joyeux, je ne suis pas joyeux. Comment me mener à être joyeux? Bien, tout simplement, il faut comprendre l'importance des mitzvot. Marshava, c'est la pensée. Bemarshava, otiot simcha. Quand tu accordes une pensée à quelque chose, tu réfléchis sur le problème, tu t'approfondis sur quelque chose et tu essaies de comprendre la grandeur de cette chose, donc tu investis dans Marshava, alors ça t'amène à la simcha. Les lettres de Marshava sont les mêmes lettres que Besimcha. Ça va de pair. D'avoir chez Chachavta Alam, quelque chose auquel tu as pensé, tu as investi de la pensée, il devient Chachouv. Il devient important à tes yeux. Et alors, quand tu le réalises, tu es rempli de simcha. Et s'il n'y a pas de simcha. Vous savez que toutes les klalotes, il y a 98 klalotes dans la Torah, qui nous accablent. Tahat asher lo avata asher lo echa bisimcha v'tuv levav. C'est du fait que tu n'as pas servi Dieu avec joie. C'est-à-dire que tu as servi Dieu, mais pas avec joie. Donc cela met en évidence que tu prends pas au sérieux le service de Dieu. Parce que si c'était sérieux à tes yeux, par exemple, je sais pas, tu maries ton fils, tu te maries, tu es rempli de joie, parce que c'est un événement important. Et tu te brosses les dents, parce que là, c'est un mécanisme que je dois faire tous les jours. Je ne saute pas de joie, c'est une corvée de plus que je dois faire tous les jours. J'attache mes lacets, je dois le faire, mais ça n'emplit pas mon cœur de joie. Et bien, de la même manière, je dois faire shachrit min charvi 3 fois par jour, prise de tête. Bon, si c'est comme ça que tu pries, donc ça prouve que la tefila n'est pas importante à tes yeux. Donc, pour une véritable prière doit être accompagnée de joie de la mitzvah, de savoir que voilà, j'arrive maintenant au point le plus culminant de la journée. Comme dit le Kuzari, c'est priyazman, c'est le fruit du temps. Comme dans un arbre, il y a un fruit. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fruit? Il y a la force de tout l'arbre. Tout ce qui était dans le tronc, dans les brindilles, dans les branches, tout est focalisé et arrive dans le fruit. Toutes les activités de la journée convergent vers ce moment-là où je vais à la rencontre de Dieu. Je vais rencontrer Dieu, je vais me remémoriser quel est mon objectif, l'objectif du peuple d'Israël et de ce fait de même mon objectif, et animé de ces objectifs, je retourne au monde de l'action, ou bien je sors du monde de l'action et je m'auto-analyse. Est-ce que les 4 heures que je viens de passer sont compatibles avec ce que je suis en train de dire? Il faut que je dise ça maintenant. Je dois atterrir dans ce monde pour commencer à réaliser. Donc c'est le point culminant. Donc évidemment, si à mes yeux c'est le point culminant, eh ben ça devrait m'emplir mon cœur de joie. Sinon, ben ça prouve tout simplement que ce n'est pas important. Bon, ce n'est pas la fin du monde, pas besoin de se suicider. Remets-toi à point. C'est-à-dire la tefila en fait est un baromètre de savoir où j'en suis. Si lorsque je prie, je me démonte la mâchoire d'ennui, eh bien que je sache que je suis très loin de Dieu. Parce que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ça, et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est comme deux êtres. En quoi on dit qu'ils sont proches? C'est qu'ils ont des
des ambitions communes, des aspirations communes. Dieu veut la construction de Jérusalem, et moi je n'en ai qu'à faire. Donc je ne suis pas proche de Dieu. Et si je suis empli de joie lorsque je parle de ça, lorsque j'exprime ces mots, ça prouve que c'est ça ce qui me coule dans les veines. Que j'ai exactement la volonté de Dieu dans ma personnalité. C'est-à-dire. Donc il dit comme ça. Omna masimcha yar gashat ashlemut apedimit shel nefesh. C'est la sensation profonde de l'âme lorsqu'elle voit qu'elle est droite. Biota margeshat et yosher malacha vituvo. Elle réalise qu'elle est dans le droit chemin, elle est en train d'appliquer la volonté de Dieu. La tfila biota priya mufrar shel hazman, comme dit le Kuzari, la tfila étant le fruit du temps. Vashlama nafshit apenimit itachlit la. Le rôle de la prière, en fait, c'est de parfaire mon âme. On a dit à plusieurs reprises, Dieu crée en moi un manque pour que je m'élève, et comme ça je me parfais. Raou shitit galé beroneg achaim. Donc ça devrait s'exprimer dans un délice de vie intérieur et parfait, comme toute perfection. Chaque fois qu'il me manque quelque chose et que je le comble, ça m'emplit de joie. Mais là aussi, il me manquait un certain niveau de compréhension, un certain niveau d'idéalisme, un certain niveau de sentiment pur et noble. Et grâce à cette fille-là, je me suis hissé à ce niveau et maintenant il m'appartient. J'y adhère. Donc j'ai comblé un manque dans mon âme. Ceci devrait développer en moi de la joie. Chez Raoul, les chabdo, les chameaux, donc évidemment, c'est un moment où on doit honorer, on doit garder, on doit préserver et pas faire ça à la vie. Bessimcha, chez le mitzvah, empli de joie de la mitzvah. Voilà, comme ça on a terminé la imra de Rahamim. Et comme ça, on pourra la prochaine fois commencer un nouveau texte. Portez-vous bien, Shabbat Shalom. À la prochaine. À Kol Tov. Toda Rabba. Toda Rabba. Shabbat Shalom à tous. Shalom, Boar. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Kol Tov. Shalom.